te recevoir et Christ dit, mon cher, ça pour faire, ou besoin fait qu'une deuxième fois, c'est seulement ça. Et pour Christ, ça c'est un ABC. Mm-hmm. Et puis le grand docteur Nicodème, vainqueur du peuple, dit, qui sont voulu dire là? Est-ce que ça veut dire qu'il faut entrer dans votre maman encore? Mm-hmm. Ça c'est de la folie. Mm-hmm. Comment on peut entrer dans votre maman? Et c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, mes chers amis. C'est ça le théier. Nicodème dit, ça c'est une folie. Comment on fait entrer dans votre maman encore? Et puis Jésus-Christ est étonné pour eux. Et il y a un nègre dans 30 Nicodème, un grand docteur qui pas comprendre l'ABC. C'est ça, c'est une folie. Il dit que mon cher, ou gros docteur, comment ça vous pas comprendre ce que ça veut dire? Ah, faites une deuxième fois. Et histoire, ça t'est vraiment fait nous ouais réalité de pour sages dans le monde, ça, pour les sages de ce monde, la prédication de la croix, c'est toujours une folie. Parce que bon Dieu prend plaisir même. Pour façon que lui a agi, il agit en façon qui tellement, m'avait dit, qui sortit dans la logique des hommes, afin que qu'on confonde même, parce que c'était déjà dit. Ça, bon Dieu dit à la privée, parce que ça, bon Dieu dit à c'est la vérité. Alors, le fait que ça le dit, c'est la vérité, il, des fois, souvent, aller contre la réalité. Parce que la philosophie des hommes, c'est la réalité. C'est ça qu'on comprend, ça qu'on peut imaginer, ça qu'on peut décrire, ça qu'on peut expliquer. On peut, après, toute approche philosophique, ou après, il faut comprendre, il faut convaincre selon, il y a des preuves, il faut comprendre que tout bagaille, mais en réalité, ça, bon Dieu dit, c'est vérité. Alors, lui-même, vérité, elle allait plus loin que la réalité. Ou après plusieurs fois, bon Dieu, alors Jésus-Christ agit en façon, il fait même bagarre avec l'homme, mais en façon que l'homme n'a pas fait. C'est pour confondre l'homme. Par exemple, bon, pour exemple, de pain. Tout le monde connaît pour faire pain, ou besoin de farine, de l'eau, tout ça, ou besoin de chaleur, ou besoin de foudre, tout ça, pour faire pain. Et l'homme fait pain en pile, et Jésus fait pain. Mais différemment. Ok. Amen. Alors, c'est normal ou pas le réaliser que l'homme dit au monde que Jésus t'a fait pain juste parce qu'il t'a dit bon Dieu merci. Et puis tout le monde, alors, environ, bon, chiffre ça c'est toujours un problème. Lui, il a dit 5000 hommes. Parce que tout côté, moi, j'ai plus de filles parce que les garçons sont des bigots full. Oui, tout le plus de filles parce que garçons. Et là, ça n'a pas de compter, mesdames. Il t'a dit 5000 hommes, 5000 garçons. Et bien, qu'on a combien de filles qui étaient gagnées à l'époque? Non, full ça. En pile. On dit deux ou trois fois plus. Oui. Ouais. Et mais d'habitude chaque petite yo. Oui. Et on t'a peuplé là ça. On t'a même pas peuplé. Mais d'habitude pas seulement petite. Parce que Marie là, on même pas seulement là il fait plusieurs. Nous fait plusieurs. C'est pas menti. Alors qu'à imaginer, pour t'avoir fait, pour t'avoir pris 5000 hommes, mettez bon que trois fois en plus, fille que garçon. Il vient bon à faire deux. 20 000, oui. Pour dire, chaque fille fait deux timons. Ouais, nous sages. Ouais, non, nous tranquilles. Chaque fait deux timons. Vous pouvez imaginer. Ça veut dire que quand c'était moun, Chris va le manger, sans qu'elle pas aller dans le boulanger, sans qu'elle pas acheter sac farine, sans qu'elle pas le point sel, par contre, tout le bagaille, ingrédient pour faire pain ça. Mais c'est pain le fait. L'homme fait pain, mais la façon le fait pain, c'est le même seul qui a fait. Amen. Et ça, c'est une folie pour les sages. Amen. Alors, quand on. Alors, là, nous considérer la prédication de la croix, côté que lui monter la croix, le bois infâme de la croix, le bois, n'a pas dit bois maudit, et puis pour le capable sauver l'humanité. Lui passer dans un, n'a pas dit dans une route qui méprisable, une route côté que personne ne peut attendre. Ça fait des fois qu'on dit que si Jean-Baptiste a prêché aujourd'hui, combien de nous tapent quoi dans les? On est qui sale, on est qui a mangé cricket, on est qui pas bien payé. On n'est qui pas de parfum, qui n'a pas de désert, qui a dormi à la belle étoile. Et puis, on va le dire, est-ce que nous avons quoi dans Jean-Baptiste? Et c'est ça même, bon Dieu fait essayer de bagarre pour confondre les sages. Alors, Jésus-Christ vient dans le même genre, la Bible dit qu'il n'y a rien pour attirer les regards. Et normalement, pour les païens, ils ont réalisé que pour être capable d'obtenir la grâce, encore le salut, ils ont besoin de faire des efforts.
des efforts personnels, des efforts, on t'a dit même physiques, des fois on fait des sacrifices, on t'a dit et seulement sacrifices dans sens l'argent, des fois mon ba mon cob dans sens qu'il pense péché la pardonner, il prend son petit monde parce qu'il dit on paquet de causes, mais la croix vient faire nous connaître que gagne un seul chemin. D'ailleurs Jésus t'a déjà dit nul ne vient au Père que par moi, parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, le fait que le palais dit je suis le chemin, ça pour mener qui bon. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire chemin, ça c'est pour mener au Père. Il dit je suis la vérité. Pour qui ça le dit la vérité? Parce que nous tous connaissons le bagage, nous connaissons comme vérité. Mais pour qui ça le met au article défini, il pas mettre je suis une vérité. Mais il dit je suis la vérité. Cela veut dire qu'en dehors de lui, pas de vérité. Il n'y a que des opinions. Il y a des opinions, c'est ça qui fait que après, tout ça qu'on comprend, tout ça qu'on connaît comme vérité, au fur et à mesure, il a modifié. Oui. Et Jésus, il n'a jamais modifié. Il était le même qui était là, qui l'a et qui a toujours là, sans modification, parce que la Bible fait nous connaître que l'immuable. Immuable veut dire il ne peut pas changer. Okay. Alors, dans ce sens-là, c'est la vérité. Et c'est ça qui fait que, le fait que c'est Jésus qui est vérité, hein, et toute ça le dit, c'est vérité, ça vient permettre que nous-mêmes qui chrétiens, nous croyons dans lui à 100%, et ça fait que nous-mêmes qui croyons dans la parole de Dieu, nous croyons dans l'inhérence de la Bible. La Bible, pas gain erreur, la Bible, pas gain faute. Pour qui ça? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est sûr qu'il y a un bagage qui n'a pas marché selon biologie, selon la science en général. Parce qu'il n'y a pas un livre de science. Vous comprenez? La mission de la Bible, c'est pour nous sauver. C'est le manuel du fabricant. Fabricant, qui ça? C'est bon Dieu qui crée nous. Et bien, bah, chaque ça qui fait, il vient avec un livre. Ou acheter une caméra, il avec un livre. Ou acheter un keyboard, il avec un livre. C'est le manuel du fabricant. Et bien, bon Dieu, lui-même, tout qui fait l'homme, il voit avec un manuel qui est la Bible. Et c'est ça qui fait que tout problème pour l'homme capable de bien fonctionner, la Bible a une réponse pour lui-même. Alors, si je considère, exemple, si là, pour me capable de dire que l'homme. En général, selon sagesse, il y a des problèmes avec la prédication de la croix. D'abord, c'est une humiliation pour le monde mourir, puis au clou au monde sous quoi. À l'époque, les hommes étaient sous quoi. Toute famille est sale. Toute famille est déshonorée. Et même si, par exemple, une famille, alors, un jeune homme ou une jeune femme qui a besoin et qui soit en relation avec la famille, le monde est cloué sous quoi, grands-parents ont mis interdiction. Parce qu'on dit, on parle de nos familles maudites. Comment faire? Il cloue Jésus sur un quoi? Qui c'est une malédiction? Et pour dire, c'est lui qui baille la vie éternelle. Ça, c'est une folie. Et c'est, il y a un bagage qui vient faire que, pour le monde qui a péri, il parle impossible pour croire dans cette réalité. Il parle impossible pour accepter la réalité. Ça. Pour qui ça? Parce que, logiquement, Christ, la mort Christ là, pas ta supposé qu'il y a assez de force. Mais, bien ça m'a permis de faire nous comprendre. Tout ça, Jésus fait, il y a une connotation spirituelle que ça qu'on a. Et ça qui fait que même nous-mêmes qui chrétiens, la vie nous, il y a une connotation spirituelle que moun pa wè, qui est invisible, non plus invisible que visible. Par exemple, nous jouons la définition ça pour l'homme. Dit l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Nous sommes des esprits. Alors, travail Christ a fait, tout le monde te voit la croix, mais pas toi en réalité. Qui ça qui t'a fait? Jésus vient pour te livrer la mort en spectacle. Il vient pour te anéantir celui qui avait la puissance de la mort, qui est le diable. Et c'est ça qui fait que juste tendre la prédication de la croix, juste garder la croix, ou abdi, il pas possible. C'est pas normal pour la croix, t'as qu'à sauver, non. Mais ça qui fait ça, depuis, dans la Genèse, depuis l'homme t'est fini péché, dans Genèse 3:15, bon Dieu t'est déjà prophétisé ça qui le fait à la croix. Il t'est déjà dit, dame, non, gardez, m'a metté pour, t'es dit, serpent avec dame, non, m'a metté inimitié entre postérité, nous. Mais ça qui était plus important dans la prophétie, ça c'était la première prophétie dans la Bible, c'est Dieu qui t'a fait lire, qui t'a prononcé, mais pas de prononcer là, l'homme, il t'a prononcé le diable, au serpent. Alors, première prophétie, c'est pas moun, bon Dieu t'a balisé, c'est Satan. Il dit, regardez, Jésus pourra le craser tête tout. Eh bien, à la croix, Jésus brisé, crasé tête Satan. Et craser tête Satan veut dire que Satan vient pas gagner autant.
autorité, il pas gain pouvoir, il pas gain capacité, il anéantit. Et Paul dit ça dans plusieurs côtés. Paul parle même dans comme nous toujours dit Hébreu, nous pas tellement sûr de auteur, mais auteur livre Hébreu dit ça dans chapitre 2, il dit que Christ anéantit celui qui avait l'autorité, encore la puissance de la mort. Le parler de la puissance de la mort, Satan te gain plus la puissance de la mort, c'est dans le sens que il était qu'à revendiquer la mort sur un monde. Comprenez ça bien. Il était qu'à réclamer la mort. Ce n'est pas parce que Satan, c'est lui qui chef la mort. Non. Il s'en pile monde trompé. Il y a un nec qui a servi Satan, il pense qu'il pourra le ministre en enfer. Je trouve ça très bizarre. C'est tant qu'on est là pour aller, il pourra aller en général en enfer. Vous comprenez? Il pourra aller en gros magasin en bas, ou bien il pourra aller en position honorifique en enfer. Loin de là. Parce que même en enfer, c'est la colère de Dieu qui dirige en enfer. C'est pas Satan qui dirige l'enfer. Non, loin de là. Non. En pile nègre de barré maçon, en pile nègre dans ses deux barré pour y avoir un gros chef en bas, quand il y a un gouvernement, quand il y a une structure. Non, monsieur, pas que barré comme ça. Satan est le père du mensonge. La fête nous défend. Faux promesses, c'est colère, bon Dieu qui dirige en enfer, c'est pas Satan. Et des fois, même nous-mêmes, nous, quand on a fait pièce théâtre ou bien livre ou bien cinéma, nous montrer ce sont des bourreaux et des anges déchus qui viennent chercher le monde pour mener dans l'enfer. Non, c'est des anges, bon Dieu, qui mènent dans l'enfer, c'est pas vrai. Par exemple, quel nègre qui a autorité si là, yo, ça veut dire que Satan pourra le faire que subir sentence qui était déjà préparée pour lui depuis avant la fondation du monde. Et ça, pas gars sorti de cela. Mais c'est cela fait nous croire que, ah mon cher, depuis vendre la mort, depuis avem, c'est tout ça. Eh bien, le fait que c'est le père du mensonge, il prend toutes, des informations qui, matérielles, ou bien qui charnelles, ou bien qui humaines, pour capable confondre mounio pour aller avec lui, dans l'enfer. Encore ceux qui périssent. Et ça qui fait que, dans le moment ça, pendant qu'on attendait, fait sûr que, ou parmi les gens, qui appartenait à Dieu. Fais ce que ou parmi les sauvés, mais pas parmi ceux qui périssent, juste par des vaines réflexions, comme des réflexions humaines, des philosophies humaines. Et on connaît que il est vraiment important pour nous capables de centrer point ça, qui sont folies pour nous qui périssent, juste à cause que ils pensent mal. Pas oublier, même dans l'Apocalypse, il parlait, il dit que c'est pensée et action qui pourrait différencier deux groupes de monde si là. Il dit Mac l'ap nan fond et l'ap nan main. La pensée et l'action, c'est déjà là. C'est déjà là, parce que va yodel. Ça, c'est déjà là. Oui. Pour qui ça, ou après, au cas où même paraître nos familles, qui a étudié, qui chrétien qui a fait effort, qui a l'autre lili, il a gagné dans toute débauche, et puis il a des machines, vous comprenez? Il a eu que tu as fait Biden pour lui l'aller, la vieille machine, qui a acheté terre. Mais façon de penser. Et action le poser. Ouais. C'est déjà fait une large différence. Et c'est ça qui fait que la façon de penser, nous voulons que nous veillons sur penser nous. Nous ne sommes pas capables de contrôler tout ça qui a monté dans la pensée nous. Mais nous avons choisi pour nous obéir ou non à ça qui monte dans l'esprit nous. Lorsque penser au monté, lorsque nous avons dit réflexion au monté, poser question qui va au sorti. Et lorsque une réponse, nous avons choisi. Parce que nous avons deux sources d'inspiration. Soit dans bon Dieu, ou bien cet esprit de Dieu, ou l'autre. Et c'est ça qui fait que la façon de penser, c'est lui qui fait toute différence là, sous la terre. Moun ka péri yo, yo pa wè la kwa, yo pa recevoir message de la kwa, pou yo li pa logique, li pa normal, li pa sensé. Et c'est bon Dieu qui fait le konsa même, selon Mdavadi, nous avons plusieurs référents, plusieurs versets que nous sommes lire là, qui clair sur ça. Par exemple, si nous prenons verset 19 là, qui dit, aussi qu'il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Qui moun nous prend comme sage? Qui moun nous considère comme des intelligents? Moun qui croient en bon Dieu, les serviteurs de Dieu, ou des moun qui a fait des raisonnements. En tout cas, c'est très important pour nous capables d'essayer de comprendre la réalité si là que la prédication de la croix, étant que telle, l'a toujours folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Que bon Dieu bénisse nous abondamment au nom de Jésus.
Amen, amen. Merci à Pasteur Marco pour exposer ça. Une pensée que nous tendons un peu le bagaille. Eh bien, assurément, il y a une réaction. Quand nous pouvons passer dans la réaction, tout à l'heure comme ça. Passe, on nous réagit sur la question ça toujours là. On dit qu'il y a quatre questions là, on réagit sur vous. Mais après ça, nous allons de manière ponctuelle passer dans la question internet. Je vais prendre une question internet. Je vais prendre une pause pour réagir sur lui. Bon, l'autre encore, réagit parce que nous avons une réaction. Sœur Gérard dit si la prédication de la croix, c'est une folie pour nous qui ne croyons pas et pour nous qui croyons qui ça la croix représente. Eh bien, c'est ça, depuis le premier verset, verset 18, là, il était déjà dit, il était déjà bas la réponse à ça. Il dit comme ça, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est une puissance, bon Dieu, la croix, les mêmes liés. Qui puissance? C'est une puissance qui a sauvé le monde. Une puissance qui a retiré nous en bas la malédiction éternelle. C'est une puissance qui pour retirer le monde qui est captif dans la servitude du péché ou encore du diable, de la peur. Alors, pour nous-mêmes, qui chrétiens, la croix, c'est la toute, c'est la puissance de Dieu pour sauver le monde qui a péri, qui si au vinou, bien entendu, si au, c'est seul qui a sauvé. C'est seulement par la prédication de la croix, il y a un monde qui a joué la vie éternelle, la vie de Pape Jean Finet, qui a obtenu le salut. Très bien. Deuxième question, si la croix c'est folie pour les gens qui ne croient pas, qui la folie ça a passé? C'est question, M. Alfred. C'est ça, je remercie M. Alfred pour la question. Ça. Eh bien, j'ai l'impression que il Pape Jean passé pour tout le monde. Il y a des gens, alors, en réalité, depuis qu'on accepte Christ, on sorti dans sur le chemin de la perdition pour tourner dans le chemin du salut. Parce que la conversion, c'est un demi-tour. Ou tu es sur une route, et là, ou virer, ou faire un demi-tour, ou tourner. Et à la minute que vous tendez la prédication de la croix, et ou repenti, et ou d'accord pour capable faire yon deuxième fois, rapidement, ou capable guérir de d'avadi malédiction ça ou capable guérir de malédiction de la croix et c'est ça mon il parlait de lui parce que lui-même c'est qui l'a guéri et en réalité moi-même moi guérir parce que tout le monde qui pas accepté Christ il est tout malade. Ah oui il est tout malade même si on monde en santé physiquement mais il est très mal spirituellement alors qui l'a guéri c'est là que il a accepté la prédication mais qui les folies ça passer qui les folies ça passer c'est là que il a accepté la prédication de la croix accepter Jésus comme sauveur personnel lui il d'accord que sans Jésus couvrir et ça que le de prendre Jésus pour dans place les écolières lycée en petit bon Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire folie ça a tout passé en foi parce que qu'on a ça que t'es folie à Avignon puissance de Dieu. Très bien. Yon l'autre Alfred, mais n'a pas ajouté Jésus-Christ. Nous pas encore. On nous kawe qui est. Mais m'te l'aide parler du pasteur, l'étape commencé, nan wana met. Pour qui ça, alors, il dit Bible, m'a dit pour nous renoncer à œuvre mort yo. Pour qui ça, dans l'église protestant yo. Bon, gen ba yo pas utilisé, mais quand même, gen fleur artificielle. Ça, c'est yon ba qui a été mentionné. Et puis, lui, il montre qu'il parle avec la croix. Parce que la croix, c'est une prédication déjà. Il est d'accord avec la croix, mais là, il y a un problème avec fleurs artificielles. Alors, ça qui gagne, c'est que ma PC répond normalement, fleurs artificielles, c'est toujours dans le sens de mon Dieu météo pour capable de décorer. Et il n'y a pas de œuvres mortes. Ici, là, texte là pas vraiment gain rapport avec des œuvres mortes dans le sens que j'en parle de saints ou bien tout ça il dit dans l'église catholique mais nous-mêmes même si nous pas mettre saints mais nous servir avec fleurs qui sont œuvres mortes mais en réalité fleurs yo c'est pas parce que fleur mourit et puis nous là nous fait image fleur pour nous capable soit adorer ou bien pour nous capable vénérer c'est pas ça du tout au contraire c'est parce que fleur c'est yo embellit la nature et nous l'église nous voulons l'église là à côté nous adorer à son côté qui a créé et puis nous prend des fleurs nous fait des fleurs pour nous capable décorer mais pas il pas absolument rien qui ouais d'avoir dit une connotation spirituelle dans fleur qui dans l'église ça veut dire que me comprendre ça livre dit mais fleur pas rien pas aucune connotation spirituelle dans l'église sauf
que yon leader t'a va dit ça. Mais en général, moi-même, tout côté m'aller dans l'église côté gain fleur, c'est juste pour bali yon pi bel allure, pour faire mon yon plus ou moins senti yon côté qui a créé, un côté qui belle. Parce que côté n'a pas adoré bon Dieu, il suppose un côté qui vraiment belle. Alors nous avons mis des fleurs naturelles, nous avons mis des fleurs artificielles, dans le sens que nous faisons moins de dépenses, yon a duré pi plus, quoi, question d'économie, non ça, tout ça. Vous comprenez? Même pas ouais que yon a fait d'idolâtrie là-dedans, ou yon péché, loin de là. Si gen yon moun ki fè sa, li pa bon. Si fwè a konnen gen l'église ki fè sa, kon si kote ke yon wè fleur, yon tan kon bagay ki spirituel, yon bagay ki sain. Non, sa se... Ya, ou bien kon se te ou son bagay ke yon term konsidere, ke nou pa pou nou bat moun, ba moun sanksyon, si yon mwen fleur, si yon deplase. Si yon sanksyon pa ka mwen fleur, yon fwè mwen fleur, se pa sa. Non, ba kon ale jiske la. Men si yon moun fèl tou, li pa bon a diye wè. Oui, non, ou pa gen doa pran avèk on l'ot sens, men parce l'idée assez pas rentrer dans l'idolâtrie. Exactement. Mm-hmm. Et merci. Donc là, l'idée qui t'a montré que quoi il n'y a pas de problème parce que c'est déjà une prédication, c'est une évangélisation. Yeah. Mais en même temps, nous connaissons tout le monde qui sert à quoi pour faire l'autre bagage. Non, bien sûr que oui. Bien sûr que okay. Oui. Mais en tout cas, c'est l'équilibre en réalité. Mm-hmm. Frère Divitilus dit, et souvent dans les théologiens, les prédicateurs parlent de Jésus qui était 100% Dieu et 100% homme. Christ dit lui soif. Est-ce que soif ça t'est spirituel ou bien t'est physique? Il était les deux parce que étant que homme, nous connaît que Jésus t'est perdu en pile sang parce que t'es bali 40 moins 1 et fouette yo t'est calé là, c'était des fouettes qui t'est gagné des plombs, des empreintes ça te gagne des plombs qui étaient vraiment épreintus. Les ou frappés ou plombs, ça entrait en bas peau et puis râler. Ça veut dire que Jésus était vraiment, vraiment perdu en pile d'eau, perdu en pile sang. Pour te croire, il mettait un couronne d'épines, sang coulé, puis red. Et depuis, dans la soirée, il était déjà arrêté. Vous comprenez ça? Et pour le arriver, qu'on y a, et on va dire, bon, soleil de plomb. Vous comprenez? Un soleil comme ça, ils se sont croyés, ils percé mel, sang coulé, percé pile. Sans couler pirouette, c'est normal pour te déshydrater. C'était normal. Physiquement, bien qu'on doit dire, humainement, il était soif. Et spirituellement, étant que Dieu, il était soif. Et soif, ça m'a mis en pile. Il était soif pour te descendre en enfer. Il était soif pour te descendre dans le séjour des mots pour t'aller désarmer Satan. Pour t'aller prendre ça, Satan t'est volé. Pouvoir que Satan t'est gagné, t'es pas depuis dans Genèse. Et Jésus était soif pour te mettre salut disponible. Il était soif pour te pardonner, monde, pour que qu'on a tout le monde qui croit dans lui, puis te joindre la vie éternelle. Ça, c'est ton soif extraordinaire. Il t'a envie d'aller. Oui, il t'a soif spirituellement et il t'a soif physiquement et tant qu'humain. Très bien. Nous saluons tout le monde qui est avec nous en bas live là. Bon, en réalité, sinon, nous n'avons pas le temps pour nous mentionner non. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas envie de mentionner non. Si nous est surtout nous mentionner non, monde qui pose des questions, c'est parce que nous réglissons de temps. Nous avons géré. C'est un programme qui est dans deux heures de temps. Parce que nous avons pris une bonne minute. Nous saluons tout le monde et lire les questions que poser. Alors, pas question, non, chaque commentaire que vous faites. Mais parce que pour nous, si ce n'est pas comme ça nous faisons. Nous saluons de manière générale tout le monde qui est en bas live là et qui prend le son pour partager pour que plus de monde soit capable d'édifier. Bon, pas seulement ou bien ancien fidèle ou bien moun pa ou ki salou en balade là, nous bien content. Nous content ça. Bon, moi, garde question internaute qu'on y a là. Gen moun qui dit merci à toute équipe 4VH là pour belle exposé ça. Merci tout. Donc, nous gagnons Jean-Rico Louis Saint depuis Jacksonville, Florida, qui dit m'a dit bonsoir et puis m'a félicité intervenant pour belle exposé li fait après-midi. À question, comment nous ka décanter qui moun qui quoi ak moun ki pa kwè puisque an pil moun prétend yo sauvé. Comment ka décanté moun ki kwè ak moun ki pa kwè parce qu'an pil moun prétend que yo sauvé. Très belle question. C'est une question que nous tendez en pile et qui peut-être en pile moun t'apprend mais qu'on a ça mais on pas veut dire malheureusement mais en réalité c'est un travail que nous voulons faire qui pas vraiment dans attribution nous même étant que moun étant que l'homme. C'est pas à nous pour nous capable identifier moun ki sauvé ak moun ki pa sauvé. Mais vous connaissez ça, m'a dit, c'est que ou pas ta jambe saisie pour ta moun, les agents du diable, moun qui gen gros niveau dans bagage satanique, vous connaissez le jeune avec un chrétien ou son chrétien? Le jeune avec un monde qui est chrétien, yo ouais ça. Par exemple, ou qu'on voit monde qui connaît les champs, yo qui connaît pour l'ennui, tapisser pour un monde. Le jeune avec un chrétien, yo ouais c'est un chrétien. Yo qu'a identifié ça. Pour qui ça? Parce que nous avons puissance. Nous avons puissance sur nous-mêmes. Nous avons le Saint-Esprit qui habite dans nous. Nous sommes des porteurs de la
d'aller dire de la présence de Dieu. Alors, dans ce sens ça, c'est pas nous qui gagne pour devoir pour nous capable faire et on tri. Monsieur j'ai même disciple Jésus de bien parabole comme ça monsieur dit mettre en retirer et mauvais herbio avec blé il dit non quitter au grandir ensemble c'est mettre moisson là le vin qui va faire ça. Ça veut dire mon frère parce que même moi tout me t'a bien aimé ouais ça. Pour me d'avoir monde qui côté monde qui dans l'église moi ça qui sauve tout bon pour qui pas sauver tout bon. Mais malheureusement c'est pas à nous travailler ça, mais cet esprit lui-même qui connaît et qui ouait les cœurs et qui connaît, d'avoir dit vraiment, monde qui repentit tout bon, monde qui poulie tout bon, c'est lui qui a autorité ça, c'est lui qui a un privilège ça, c'est lui qui a une capacité ça. Mais j'aime dire tout là tout, monde qui est chrétien, en pile dans le démon, yo ouais également, yo ouais. Yo ouais très bien. Oui. Parce qu'en réalité, quand on dit qu'à comprendre un monde t'as qu'à tromper, ou bien un monde qui prétend qu'il est sauvé, c'est peut-être si t'as allé dans mauvaise voie. Bon, alors monde qui achète sous pratique li, c'est les œuvres et puis il dit bon moi-même sauvé et c'est seulement sous saïchita. Il avait déjà dit ça va bon du tout. Non, ça c'est ça, la sagesse humaine. On connaît que pour sauver c'est avec Christ pour faire contact. Mm-hmm. Ça c'est ou pas qu'à passer au de ça. Pas de route pas bois. Ou pas qu'à passer au de ça. Même si on fait sauver, fait tout comme on veut. Donc c'est li bon Dieu bail ou qu'a tout fait que Christ ah non c'est utopie, c'est histoire racontée. Pas gagne monde son savoir, ça c'est où connaît mais c'est à Christ pour aller pour arriver jeune papa. Nous gagnons l'autre question passe c'est pasteur Daliencio Inelus qui est toujours avec nous. Il dit bonsoir pasteur Simon, bonsoir pasteur Fenelus. Moi a profité moment ça pour me souhaiter nous joyeuse fête Pâques. Merci pareil. Question que me gagne, nous gagne un pile chrétien qui pas croire dans miracle, dans manifestation du Saint-Esprit, dans révélation etc. Est-ce que nous capable considérer ça yo comme folie pour monde ça yo? Bon alors mon l'église pas quoi dans miracle dans manifestation du Saint-Esprit. Moi question ça dans sens que pasteur a fait approche ça c'est gain pile folie. OK. Oui, yo façon on l'autre. Yo façon on l'autre gain pile folie. Il capable inventer bagarre barrière. Exactement. Yeah. Alors dans sens ça yo monde qui ne doit pas quoi dans genre de manifestation spirituel c'est là pour lui même il a toujours y a une folie dans le sens que il dit ça son bagage non sens en fait comment faire pour dire t'es dormi t'es bon bagage et puis son penser assez vrai comment faire qu'à quoi dans les dons spirituels ou bien un miracle ou pour guérir c'est pas médicament comment faire dire juste toucher un monde pour prononcer une parole et puis mon n'a guéri ça a toujours été une folie pour monde ça avait dit que d'accord avec approche qui dit oui il est capable y a une folie pour monde ça mais c'est pas une folie pour qu'il fait le péril. Bien entendu. OK. D'accord? C'est bon folie pour qu'il fait le péri. Il y a un monde qui n'a pas quoi dans manifestation spirituelle, ça m'avait dit le pas chrétien pour ça, bien la voir dans l'enfer pour ça. C'est juste peut-être bon niveau qu'il peut atteindre parce que nous connaît la vie chrétienne son processus. Très bien. C'est pas pendant mon converti il était en toute sagesse. Non, c'est au fur et à mesure. Ça veut dire que ça m'avait dit folie ça, c'est folie qui a mené à la perdition, c'est pas ça. C'est loin de là, mais quand même nous connaît même monde qui croit tout dans ça ou dans manifestation ça ou gagne l'autre bagage qui a folie pour eux tout dans l'évangile. Bien sûr que oui. Yeah, alors bien de ça qui gagne là bas là, c'est que gagne pas sous pas quoi ou juste pas vivio. Exactement. Yes. Exactement. Nico Pedro Filippo, ça c'est une qui salue déjà dans bas live là. Dit une question, ou capable un monde qui a fait ou bien dit gagote dans l'église et puis dit moun sa pas chrétien mais gagne moun qui dit c'est jugé ou ab jugé est-ce que ça c'est jugé lié vrai ou moun l'église ka fait ba qui pas bon ben ka dit ba qui pas bon et pour essayer parler avec moun ça ou ben mettre dans ligne droite il dit non pas gagne doit juger est-ce que ça c'est jugé bon normalement me penser l'amour pas ka permettre qu'on rete suivi un monde bien assister un monde qui a dit bêtise ou bien gargote selon j'en dis hein pas fin trop cerner à 100% gargote là même bon prendre la façon me comprendre ça veut dire qu'a dit bagarre qui pas ça bagarre qui pas OK bagarre qui pas selon t'a pas dit la Bible bien entendu l'amour que nous gagne yon pour l'autre pas permettre que nous rete sans que nous pas dire hein. C'est pour question de jugement mais qu'on a cette approche là comment le fait est-ce que parce que mon dit gargote là moi dit ah bon mon cher vous PLP là on va pas se parler là ou c'est assez gargote quoi dit ou pas chrétien non ou bien est-ce que pendant mon dit gargote là moi approcher là avec amour pour me reprendre ni parce que normalement et il gagne doit dire c'est pas parce qu'il a une mauvaise intention c'est parce que par qu'on est par faute super, de connaissance super. Et la Bible reconnaît ça et dit Dieu s'en tenu compte des temps d'ignorance. Alors pas qu'à juger au monde ou bien faire ça en façon pour mépriser au monde parce que par qu'on est parce que
la Bible, bon Dieu tenu compte de ça. C'est bon Dieu tenu compte de ça. Exactement. Cela veut dire que c'est pas, il pas forcément un jugement, mais ça va dépendre de l'approche là. Est-ce que mais c'est rabaissé, écrasé ou méprisé? Exactement. Exhortation, c'est passer maintenant coup et mener le droit chemin. Exact. Exactement. C'est pour des choses qui ont des difficultés. Exactement. Ça veut dire c'est comme ça, moi, il faut pédo. Bon Dieu, oui. D'accord. Et puis, tout, pour ça, qui a rapport avec juger, bon, Guéleba, elle nous dit, pas juger, nous seulement, à évaluer ça, mon enfant, à la lumière de la Bible. C'est-à-dire, si on a fait un noir sur mauvaise voie, et bien, nous parlons avec lui, nous dit, mais sa Bible a dit. Donc, lui-même, il doit quitter la Bible, libérer de ça, l'affaire, ou bien continuer. Jusqu'à présent, approche là, lui, fait avec amour. Amour. Et c'est d'accord, ça. D'accord. Est-ce que, gain quelque, alors, ok, nous, ça, Wood, Jameson, Simeon, ils font rapproche à l'homme, gain, parce que là, il veut parler sur question tout à l'heure, à monde qui prétend que sauvé, tout le monde prétend. Mm-hmm. Il dit, mais est-ce que pas gain quelque évidence qui a prouvé ça, question sauvée, hein? Bon, bien sûr. Que, bon, c'est sûr, la Bible dit, on va pas connaître pied bois, pas fou que la portée, ça c'est sûr. Mais problème qui gagne, tellement gagne en ruse. Okay. Et des fois, on joint des mondes qui a prêché l'évangile, ou bien des docteurs, des mondes qui sont extraordinaires, qui ont des connaissances et qui ont des talents, mm-hmm. vous carré les dons, tout ça. Et pourtant, qui pas un yen en dedans, qui fait en termes de travail, l'évangile doit faire en dedans au monde. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on a toujours trompé, même si des fois, on a des œuvres, oui, des fruits. Oui. Ça fait toujours pi bon ou quitter ça dans mes bons dieux. Quitter ça dans mes bons dieux. Et vous, qu'on est un seul là, on a testé. Testé par là. Yeah, ok. Fais sûr que par là, bon. Et puis, tant abjurer tout bagaille, le temps. Exactement. Et Jeff Bernard dit, pour qui ça, les Jésus-Christ est sous quoi? Parce que non, moi, ce que je me dis, toi, je vais répondre ça, parce que non, pas fini. D'accord. Et pour qui ça, les Jésus-Christ est sous quoi? Ils ont fait noir, te couvrir la tête, gros midi. Ah, ça, c'est gros, quoi. C'est quelqu'un qui dit, c'était un éclipse solaire. En tout cas. C'était... Mais on connaît, et cette parole, elle était divisée en trois parties. Trois avant période de noirceur et trois, et ils ont seul dans période de noirceur. Et l'autre là après. Dans le processus de la vie chrétienne, nous croyons que a toujours gagné un moment d'abandon. Okay. Et c'est même nous-mêmes, nous besoin qu'on ait ça. Un moment sombre dans la vie, nous. Il faut nous accepter. Ce n'est pas parce que, bon Dieu, oublié nous, même Jésus t'a dit, non, ouais, ce qui parle, il t'a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est un moment d'abandon, mais c'est un moment qui dit qu'à résumer dans toutes choses qu'on court au bien de ceux qui aime Dieu. Alors, moment ça, c'est un moment qui t'est exprimé exactement l'abandon de Dieu qui est trois fois saint, qui est très saint, que Jésus qui t'est couvert avec tout péché, qui t'est fait avant, qui t'est fait pendant là, et qui a fait après le final. Et là, t'es gagné, malheureusement, au moment de noirceur. Merci, Bill Pastor Macon, t'es content, belle cause, ça je dis, nous souhaitons que vous êtes bénis, au formé au ministère. Au nom de Jésus, moi, recevoir, et pour vous également. Amen. Merci à vous-même qui t'avez suivi avec nous, exposé jeudi. Rendez-vous cassé pour demain, si Dieu veut. Nous parlons recevoir brevet un pasteur Ruben Saint-Martin qui parle venir dire nous que la croix, c'est message, bonne nouvelle. Ou t'es sous 4 VUH, nous qui t'avez servi des amis, un pasteur Marionel Simon, et bien t'es gagné pour question image, le frère Dimitri. Rete ferme, pas la guerre que bon Dieu bénit abondamment.